Eh bien, salut tout le monde, ici Azaral, j'espère que vous allez bien. Voilà, ma créature finale, à quoi elle ressemble. Niveau bouche de dragon, etc. Alors, je sais, j'ai pas réussi à débloquer les bouches carnivores. C'est peut-être parce que j'ai. Peut-être parce que j'ai pas le. J'ai pas commencé en carnivore, quoi. Donc, j'ai fait avec et j'ai réussi à faire cette bestiole. Voilà. Ça, c'est le genre de créature que je fais. C'est le genre de créature que je kiffe. Il est content. Voilà. Avec, j'ai pris un des bras insectes pour faire ma queue de scorpion. J'ai mis les quatre pattes. J'ai mis les pieds de raptor avec la grosse griffe là. J'ai mis des cornes, des belles cornes. Je lui ai remis. Oula, téléphone. Je lui ai remis tout ce qu'il fallait quoi. Et là, franchement, moi je l'adore. Et niveau vol. Alors je sais pas si c'est à cause du mode. Mais je peux genre traverser la moitié de la planète en volant quoi. C'est un peu abusé. Je vais vous montrer. Hop. Elle en plane. Voilà. C'est. On vole bien quoi, hein. Voilà. Hop là. Donc ma créature est parée. Oh tiens. Et nous voilà partis sur ce magnifique coucher de soleil à l'âge tribu. Là, on voit tout mon historique. Ah, et j'en ai fait des saloperies. Hein. Oh là 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 là. Oui, j'ai perdu mon rogue contre un épique. Je me suis dit, bon, bah allez, on va le tenter, l'épique. Et en final, l'épique, il a one-shot mon rogue. 200 PV d'un coup, quoi. Ça fait mal. Enfin, bon, c'est tout, tant pis. I'm a predator. Donc, c'est parti. Nous voilà à l'âge tribu. Alors, le souci, c'est que ma complexité est à fond. Du coup, je pourrais peut-être pas rajouter de trucs de vêtements de tribu. Là, c'est juste l'atelier créature pour être sûr que je veux garder cette créature-là pour continuer à l'âge tribu. Mais oui, je veux garder celle-là. C'est celle-là que je veux. Voilà. Après, pour rajouter des fringues tribu, on verra bien si je pourrais ou pas. Mais bon, ma barre de complexité est à fond. Donc, on verra bien. Le bâton, il fait du bruit, ouais. Et il découvre le feu. Et nous voilà à l'âge tribu. C'est parti. Alors là, le gameplay va changer complètement. On va passer à un mode RTS, un jeu de stratégie tout simplement. On va construire notre village, gérer notre nourriture, soit aller chasser, soit cueillir. Hein. Comme j'ai une bouche d'omnivore, je peux faire un peu ce que je veux. Ça, c'est cool. Et voilà quoi. On a notre petit village. Hey! Oui, Verouf. Voilà. Alors. Vous avez formé une tribu, aussi à la tête de tribu de 3 individus. Ouais, on a un peu plus que ça c'est avec le mode. Hein. Le mode, il augmente considérablement le nombre de créatures qu'on peut avoir dans sa tribu. Sectionné à plusieurs individus, d'accord. Voici la barre de progression, hein. Donc ça fonctionne un peu comme le point ADN, sauf que là c'est par village en fait, village concurrent. Soit on les conquérit, soit on s'en fait des alliés en fait. Et à chaque palier, on gagne une nouvelle technologie. Que ce soit à chaque village, en fait, je crois. Que ce soit.
Des torches, des lances, des machins, enfin plein de trucs. Voilà. Donc là, mon objectif. C'est de faire un bébé avec ajouter bébé 10 nourriture. Non, je dois faire quoi? Click on your hut and add baby. Ouais, pourtant je peux le faire. Atelier tribal. Non, ça me coûte de la nourriture. Ouais, normalement, là, c'est les points où on peut construire notre nos bâtiments. Normalement, on peut pas construire partout comme ça. Alors, ça, c'est avec le mode aussi. Avec le mode, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Normalement, c'est genre un bâtiment ici, un là, enfin voilà quoi. C'est limité, mais là, on peut vraiment construire où on veut. Didacticiel caméra. Voilà. Zoom et rotation. D'accord. Donc, on scroll. Normal. On peut faire ça. On peut faire ça. Ok. On peut utiliser les touches des flèches. Hein, ouais. On peut cliquer sur la hutte, sur la mini-carte. Voilà. Là, il me fait le didacticiel. Hein, je suis obligé de le faire. Peut cliquer sur le membre d'une tribu. Ou sur le portrait. Ouais, d'accord. On peut maintenir le clic comme ça pour en sélectionner plusieurs. Voilà, c'est fait. Eh ben. Ah voilà, d'accord. Bien joué. Maintenant, vous maîtrisez les bases. Faut me mettre en quête de nourriture. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Là, on est parti. Alors, on peut faire des nouveaux membres tout simplement en cliquant là. Ça fait un œuf. Et il y a le bébé qui arrive. Et il lui faut un certain temps de développement qui dure allez, 30 secondes, quoi. Pour qu'il devienne adulte. On va commencer à aller chercher de la nourriture. Là, il y a des fruits, ça tombe bien. Pète. Oh! Comment ça, pète? J'aime bien, j'ai des animaux dans un enclos, mais c'est la même espèce que moi, quoi. C'est un peu... ouais, c'est pas très cohérent tout ça. Enfin bon, tant pis. Donc là, voilà, ils cueillent leur nourriture. Et voilà. Il ramène tout ça au garde-manger. Et la nourriture va me servir de ressource pour tout et n'importe quoi, même pour construire. Hein. Pour construire un bâtiment. Ah! Une tribu rivale s'installe. Ok. Une tribu rivale est arrivée sur la planète. Alors, toute tribu a un dirigeant suprême, le chef de village. Peut partir au combat sans lui, mais il est indispensable lors d'une rencontre amicale avec une autre tribu, d'accord. Ouais, les rencontres amicales, c'est pas mon truc. Donc, je sais comment ça va finir, tout ça. C'est quoi ça? What? Ok, on va faire comme si on n'a rien vu, d'accord. Il y a toujours des nids hein, de créatures comme ça. Par exemple, là, il y a les fameux Néfrileurs que j'avais déjà fait. Il y a des années de ça, qui ressemble étrangement à celle que je viens de faire, décidément. Et il y a la tribu rivale qui est juste à côté. Et si je les bute, apparemment, ou si je m'en fais des potes, je débloque les lances de pêche. Ouais. Où est-ce qu'ils vont comme ça? Ils vont vers chez moi, là? Ils ont l'air d'aller vers chez moi. Donc on va continuer à faire des bébés. Alors, je sais pas trop à quoi servent les pets là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est moi ou ils sont agressifs là? Ouais, j'aime pas ça là. J'aime pas ça. Les gars. Ils l'attaquent, ils attaquent, ils attaquent mes bestioles. Allez, on charge, c'est parti. Voilà, ça c'est fait.
Donc ils ont les mêmes attaques qu'à l'âge de créature, hein, c'est-à-dire le crachat, la frappe, la morsure, etc. Mais on pourra aussi leur ajouter des armes, comme une lance par exemple. Je crois qu'il n'y a que ça comme arme pour l'instant. En âge tribut, il n'y a que ça, je crois. Il y a la lance, il y a la torche, mais c'est pour les bâtiments. Ainsi de suite, quoi, pas mal de trucs comme ça. Hop, on continue avec la nourriture. En attendant, je vais refaire des mecs. Faut toujours avoir un mec. Ils ont des noms bizarres. Hein. Kuraba, Tendence. Ça, c'est Dem. Ouais, faut toujours avoir des mecs à côté de son emploi à nourriture. Parce qu'il peut y avoir des bêtes sauvages en fait qui viennent vous piquer votre bouffe. Du coup, voilà quoi. Alors, je vais aller voir vite fait l'atelier tribal. Alors, instrument, je peux faire Wooden Horn. Ah, je peux faire les lances. Voilà. Hop là. On va mettre ça là. Est-ce que je peux lui mettre des fringues? Non, je ne peux pas. La jauge de complexité est trop grande. Ah merde. Du coup, il va rester à poil jusqu'à l'ère spatiale, quoi. Ouais. C'est compliqué là. Bon bah c'est tout. Je vais pas pouvoir lui rajouter des fringues. Bon, tant pis. Bon, les fringues, c'est rien de bien compliqué, c'est des petits plastrons, des machins, des trucs. Des pagnes en feuilles. Des étuis peignats, enfin ce que vous voulez, mais c'est des trucs de tribu, quoi. Ouais, enfin ça fait un peu chier quand même, quoi. J'aurais bien aimé pouvoir les fringuer, mais bon, tant pis. De toute façon, on ne verra, après l'âge tribu, on ne verra pas vraiment nos individus. Vu que ce sera surtout des véhicules. Des véhicules. Des avions, tout ça. Donc, enfin, ça, c'est pour plus tard, bien sûr. Donc, on continue, on se multiplie comme des petits pains. Et on va se farcir les marrons, là, la tribu adverse. On va se les faire parce que j'ai pas aimé ce qu'ils viennent de faire, là. Pas apprécié, là. De où ils attaquent mon enclos à bestioles, là, comme ça. J'aurais rien demandé, en plus. Hop, ils font la queue pour déposer la bouffe, c'est très bien. Voilà, ça monte vite en plus. Par contre, il y a un autre truc avec le mode que j'ai remarqué, c'est un peu dommage. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est la fin des créatures. Elle descend plus. Ils ont plus besoin de manger en fait. À la base, leur faim descend, puis hop, ils viennent à l'enclos comme ça, donc ça, faut gérer son économie quoi. Et là, ils mangent plus. Ils ont plus besoin de manger. Alors c'est un peu dommage quoi, je trouve, parce que... Bon après ils ont peut-être voulu faire en sorte que le mode tribu soit vraiment... Que le mode tribu soit vraiment quelque chose de plus jeu de stratégie artisanale quoi, j'ai envie de dire. Vraiment concentré sur la baston quoi. Mais bon... Voilà quoi, c'est un peu con. Bon, il y en a quelques-uns. Ils vont prendre des lances. Allez. Armez-vous les mecs. Parce que là, ça va chier. Quoi que c'est qui attaque, c'est quoi ça? Oui, d'accord. Ok, ils se rebellent comme ça, oui. Pourquoi pas. Hop, donc, il y en a quelques-uns qui ont des lances. Pas tous, parce que les lances n'attaquent qu'à distance, en fait. Du coup, j'en garde quelques-uns sans armes. Et là, je crois qu'on va y aller. On va se les faire. Allez, c'est parti. On déplace l'armée. Ah, ils y vont en volant, la classe. Ouais, ils auraient pu quand même aller poser leur truc, là. Enfin, bon, tant pis. Qui c'est qui vole comme ça, là? Il y en a qui s'éclate. Bon allez, c'est parti! Chargez! Wow, c'est comme il s'est fait trouer celui-là. Allez hop, on attaque leur...
leur camp principal. C'est parti. Donc voilà, hein, là ils tapent dessus. L'objectif c'est de détruire ce bâtiment là pour avoir le village. Là ils tapent dessus, ça peut être un peu long des fois, c'est pour ça que les torches sont assez pratiques. C'est quoi ça? Une effrileur, hein, ils viennent voir ce qui se passe. Allez. Et voilà. Premier village conquis par la force. J'ai débloqué une technologie et je sais pas quoi. Voilà. Alors il y a un totem dans le village. Et au fur et à mesure qu'on conquérit ou qu'on s'allie avec d'autres villages, le totem grandit en fait. Et rajoute un masque. À chaque fois. Et là, c'est un masque qui fait la gueule parce que j'ai conquéri par la force, quoi. Hop là. Là, le nid... le village grandit. Hop. Voilà, c'est ça qui se passe à chaque palier, en fait. Le village grandit. Et se modernise. Hop. Les petits pavés, tout ça. Yeah. On va retourner à la maison. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Qu'est-ce que j'ai débloqué? Alors, pour la nourriture, j'ai débloqué la pêche, voilà. En instrument de musique, je m'en servirai pas, de toute façon. Je vais quand même mettre le truc de pêche, parce qu'on sait jamais. Ça peut être cool pour la bouffe. Hop, voilà. De toute façon, là, de la bouffe, il va m'en falloir. Je vais essayer le truc de pêche. Voilà. Là par exemple, j'ai deux pêcheurs. Donc, je les prends. Alors, si je les envoie au bord de l'eau. Est-ce qu'ils peuvent pêcher comme ça au hasard ou est-ce qu'il faut un banc de poissons? C'est ça le truc. Ah, ouais, d'accord. Ok, il y a un banc de poissons. Ok, ok. Allez-y. D'accord. Ok. Il pêche, quoi. What? Waouh, il y a plein de nouvelles tribus, j'ai pas vu. Ils me saluent, en fait. Ah, ils veulent pêcher aussi, d'accord. Bah allez-y les gars, faites comme vous voulez. De toute façon, je pense que... Oh, quoique, je vais peut-être m'allier avec une tribu. Tiens, ils ont l'air sympas, ceux-là. Par contre, là, il y en a d'autres qui se ramènent. Ok, c'est des cueilleurs. Ils sont agressifs, par contre, ceux-là. Oui, même pas. Ils m'apprécient pas du tout. Et les vers... Ouais. Wouah, c'est quoi cette bestiole? Vache. Ouais, les verts, ils m'apprécient pas trop non plus. Les plus amicaux, en fait, ça reste les turquoises, là, les bleu ciel. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Ouais, non, en fait, on va tous les buter, je crois. Parce que c'est compliqué de s'allier avec une tribu, enfin... C'est spécial, quoi. Faut des instruments de musique, faut... Plein de trucs. Il y avait une grosse bestiole.
Ah ok, c'est encore des Denethriller, bah il y en a partout, hein. Des Denethriller partout. Donc là je les ai envoyés encore cueillir des fruits. Parce que là c'est la source de nourriture la plus facile à avoir en fait, hein. Tout simplement. De toute façon, l'âge tribu, ça va très vite, hein. Quand on commence à avoir beaucoup de mecs, les tribus, on les enchaîne. Hein. Là, une fois que j'aurai tout ça de rempli, parce que ouais, j'ai gagné de la place encore, je peux avoir d'autres mecs. Une fois que j'aurai tout rempli, franchement, les tribus, je vais les aligner une par une. Hein. Cueillir des fruits, c'est plus rapide que chasser parce que tout simplement ils attaquent pas les créatures automatiquement. Faut les tuer une par une, tac 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 tac. Et après il est bute, en fait. Enfin il les récolte. Alors eux ils ont quoi eux? Ils ont les lances. Gathering cane. Ok, ouais, ils ont les trucs de cueillage et tout. Ils ont pas grand chose quoi. Faut que si jamais les bleus deviennent agressifs, faut que je fasse. Raider spotted, je me fais attaquer. Et bien sûr, c'est les violets, j'en étais sûr. Ok. Pff, ils sont trois, quoi, les mecs. Allez, va. N'importe quoi. Mais pourquoi il veut tout le temps attaquer mes bestioles? Je comprends pas. Enfin bon, voilà, j'ai refermé trois bestioles. Hop. Bon, les bleus ont l'air sympas, hein, ils me font des coucous, tout ça, ils ont l'air gentils. Ils ont l'air gentils. Ah ouais, en fait les violets, il n'y a que moi qui n'aime pas. Hein. Parce que là, ils viennent de faire un petit coucou au bleu. Vous savez quoi, les violets, on va s'en débarrasser maintenant. Parce que franchement, vu comment ils sont avec moi, je suis pas d'accord. Donc on y va. On déplace toute l'armée. Il y a du monde. Il commence à y avoir du monde là. L'attention. Là, c'est l'armée. C'est la légion. Et il n'y a personne. D'accord. Bon, ouais. Ah, si, il y a quelqu'un. Ça, c'est le chef. Il ne va pas faire long feu. Hop là, il est mort. Il devrait faire plus de mecs, hein, les équipes adverses. Je sais pas en quel mode de difficulté j'ai mis, mais. C'est. Ouais, quoi, ça reste facile. Quoi. Ah, vous ramenez votre bouffe? Mais y a plus rien, y a plus personne pour la manger. Si, peut-être moi. Allez, hop. C'est bon. On peut attaquer leur. Leur camp de base. Ouah, ça va être long, mais. Putain, les mecs. Attends, il y a un bug, je crois. Voilà. Ça va déjà un peu plus vite, là. Donc, pour l'instant, vers mon nid, ça se passe bien. Il y a toujours les... C'est quoi, ça? C'est la pêche qui a fait ça? C'est quoi? Non, même pas. Ils ont sorti ça d'où? C'est bizarre. J'ai peut-être reçu un cadeau d'une tribu, j'en sais rien. Ça peut arriver. Ouais, quand vous voulez, les mecs, hein. Quand vous voulez. Vu que les bleus sont juste à côté, on va se les faire aussi, je crois.
Y a pas de raison. Hein. Je crois qu'en fait, l'âge le plus long, c'est créature et spatiale. Parce que l'âge tribu, regardez, là, je les aligne. L'âge tribu, on va faire quoi? 2 épisodes, hein, puis terminer. Hop. Encore débloquer des trucs. Donc ça, c'est cool. Deuxième masque pour le totem. Voilà. Et on enchaîne. Ah, ils sont un peu plus nombreux là par contre. Ils sont plus nombreux, mais. Ouais. Ils sont plus nombreux, mais bon. C'est pas une menace. Hein. Chargez! Ah, c'est le crachat qui fait la différence. Hein. Le crachat empoisonné, c'est peut-être archaïque, mais ça marche toujours. Et voilà. Donc les bleus, c'est fini. Putain, les mecs, j'ai l'impression qu'ils ont du mal quand je leur dis d'attaquer. Peut-être parce qu'on a trop, ça. Voilà. Donc là, il y a les verts. Après ces deux tribus-là, il en restera plus qu'une. Ouais, ça, vous voyez, ça va vachement vite. Hein. Le seul fait que ça rend le truc long, c'est la vitesse à laquelle on bute les huttes. Ce serait plus rapide, je crois que j'aurais déjà fini. Quoi. Ah là là là. Enfin bon, voilà à quoi ressemble l'âge tribu. Moi j'aime bien. Ça dure pas longtemps. C'est peut-être un peu trop court et un peu trop facile. Comparé à l'âge créature en fait. C'est un peu. Ouais, faudrait revoir ça. Faudrait peut-être. Je sais pas. Faire en sorte que. Il y ait plus de monde, que ce soit plus dur, qu'il y ait plus d'interactions, plus d'attaques. Parce que là vous avez vu, ils m'ont attaqué les violets, ils étaient 3 quoi. Faut pas déconner. Ouais, faudra revoir la difficulté à la hausse, peut-être. Enfin bon. Il y a des néfrileurs partout, j'ai l'impression que c'est l'espèce dominante de la planète. Voilà. Enfin bon, voilà quoi. C'est l'âge tribu. C'est. Voilà. Et le troisième masque pour le totem. Il en restera plus que 2. Et nous, on va se séparer là. Ah oui. Encore une petite modernisation du village. Qu'il a un peu plus de gueule, voilà. Hey. Ah, ça fait plus médiéval quand même. Tac. Et là, je peux avoir encore plus de mecs, donc... What? Je rêve, là. Je rêve. Excusez-moi, je me suis fait attaquer par une bestiole. Mais IRL, je sais pas ce que c'était. Excusez-moi pour le boucan. Enfin bon, là je me fais attaquer. Je me suis fait attaquer par un mec en fait. Enfin bon. Ouais, bah apparemment c'est bon. Ah non, 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 c'est pas bon. Si, il est mort? Je sais pas, je vois un point vert en fait sur. Non, il est mort apparemment. Je sais pas, c'est étrange. Donc on va se séparer là.
J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si t'as des suggestions pour la suite de l'aventure. Et il y a une nouvelle tribu qui est apparue. Alors, ils sont 10. D'accord. Bon. Donc voilà, mets un petit like, un petit commentaire, partage si t'as aimé et abonne-toi si c'est pas fait. Comme ça, tu seras averti dès la sortie de la suite. Je te dis bonne soirée et bonne journée. C'est Azarath pour Gaming for Fun et à la prochaine. Ciao!